là-bas, vous avez. Vous avez le Fendt. Là, je gros plan sur là. Avec le magnifique coucher de soleil sur la moissonneuse. Je vais faire plusieurs parties du vlog. Mais là, j'ai éteint mon téléphone, comme j'ai vu la moissonneuse arriver vers moi, putain, j'ai cru qu'elle m'écrasait tout. Mais le gars, je l'ai vu à la moisson d'orge. Il remplaçait un des chauffeurs de batteuse. Et celle-là, elle a une barre de coupe unique en Bretagne. Voilà. C'est 9 mètres. Mais je l'ai vu en vidéo, mais c'était pas en Bretagne, je crois pas. Mais c'était sur une Hollande. Ah la vache, vous voyez, il y a de la poussière un peu qui vole. C'est la moissonneuse qui fait ça, les gars. C'est assez impressionnant, les crevasses. C'est quoi ça? Oh putain du caoutchouc. Ah ça, il faut en parler, il faut les roses. Les gars, c'est de l'agriculture, il y a un sac poubelle juste comme ça dans votre tracteur. Vous voyez, des bouquets de choux, des masques et tout, enlevez ça parce que c'est pas des gens qui jettent ça. Mais j'ai vu Zenico par exemple là, c'était pas fameux dans ces parcelles, ça se faisait trop, ça se faisait pas quoi. Les gens ils se permettent de salir les parcelles comme ça avec leurs déchets. J'apprécie pas ça moi les gars. Voilà, là va faire va faire quoi. Je pense que c'est terminé les gars, on va vider. On va essayer d'aller voir ça de plus près. Donc, voilà. Oh le coucher de soleil, ça. Ah, la paille ça colle. Allez, j'en ai un peu dans la chaussure, ça gratte un peu là, les pailles. Allez, gars, va vider, si vous voyez. Voyez, avec le coucher de soleil, on voit pas trop. Mais voilà, ça a vidé. On va essayer de s'y approcher. La parcelle est plutôt grande. Moi, j'habite pas très loin. Le bourg est juste par là. Voilà. Bref. Là, je suis un voisin à moi. Parce que je ne suis pas agriculteur, mais j'adore ça. Je voudrais leur faire mon métier. Donc là, je vous partage, c'est la première fois que je partage ça sur ma chaîne. Et c'est rare, les moissons de le soir. Tenez. Putain, marchant les andages, ah, les casses. Les gars, ils sont en train de vider. Regardez, on voit le grain. Impressionnant. Et... Allez, on entend bien, ils sont en train de foutre le régime moteur à fond pour vider. Et derrière, là, il y a des maïs. Ah la vache, ça porte là-bas. J'imagine pas le gars. Il doit bien se faire chier, ce maïs. Il va moissonner. Là, c'est une OTA qui moissonne. Regardez, on voit bien, là, les deux tracteurs, une benne de un tracteur, une benne de Normand. Une moissonneuse néerlandaise. Le tracteur, c'est un Fendt, les gars. Un Fendt 300 avec le bâtissageur. Ah la vache, c'est impressionnant. Je suis monté dedans à l'orge, là, et deux dans un champ. C'est une McDonald's, la barre de coupe. Ah, super les paires de grains. Il y a un champ au fond là, ils vont le faire, c'est du triticale. Ils n'ont pas fini la moisson. Ouais bah je pense que les rendements. Ouais, j'étais pas sûr, mais là, de la paille, il y en a. Encore des pierres, j'imagine. Pas bon pour la presse. Hop, on fait l'andaineur humain. On randonne un peu les chiens. Ça, voilà. Putain, mais ils ont aucun respect pour les gendarmes. Ils font pas exprès quand c'est comme ça, les gars. Ouais, t'as perdu. À part derrière.
Ah mais plateau des barres de coupe, il doit être derrière lui. Voilà, vous vlog un peu ça, je cours, ouais. Vlog avec le téléphone, c'est pas terrible, les gars. On va s'asseoir un peu sur la paille. Oh putain, admirez ça. Vous voyez, là, il y a tout le bourg et tout. Vous voyez. J'espère qu'il n'y a pas une... Là-bas, on voit les cellules, c'est l'élevage porcin, là, qui a... C'est à eux le champ. Vous voyez, là, il y a tout le bourg, c'est magnifique, les gars. Et j'espère qu'elle va percer cette vidéo. Ça mérite de percer avec des beaux plans pareils, une belle moissonneuse, des beaux ensembles. Elle est très caillouteuse, hein, les terres. Elle part plutôt vers le haut. Ouais. Et bien pour ça, heureusement qu'il y a les trappes à grains. Ah, bah c'est plus vert là. Il y a plus de pertes de grains et tout. C'est... Ah vache, les épices sont bien tombées. C'est pas très propre tout ça. Vous voyez, à certains endroits, les chaumes, ils sont plus hautes. Mais on voit à certains endroits les passages de traitement également. Et là, les maïs sont... Il y a certains endroits, ils sont en fleurs par chez moi et d'autres non. Putain, quand c'est facile à... C'est facile à déchaumer tout ça. Parce que les chaumes sont très cassantes, je sais. C'est très sec, un peu d'eau. Pour le travail, là, du déchômage, ça sera bon. C'est quoi ça? C'est du ré... On dirait du maïs. Ah, c'est ça. On dirait un mélange... Attendez, c'est quoi? C'est du maïs, je crois. Mais bizarre. Ça ressemblait à du ré gras, mais non. Ah putain, il y a des crevasses. On va sortir de là. Putain, il y a des ornières. Les ornières, poteux. Quand ça fait nuit, et moi je vais geeker ce soir un peu. Avant. Je vous mets en pause. Les gars, regardez, je reprends. Et juste là. Encore du tropical. Ouais, il a l'air pas. Il est pas. Ouais. Il est un peu vilain sur les bords. Sinon, ça va. Putain. Oh la. C'est balèze ça.